Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous représentez la maison Lafitte ici à Shanghai. Alors c'est votre première expérience de la CIE. Dites-nous quelle est votre impression sur cette exposition. Alors déjà nous sommes très heureux effectivement de participer à ce salon. C'est une grande première pour nous, foie gras français, puisque nous n'étions pas autorisés à vendre sur le marché chinois depuis juin 2024, nous le sommes, donc c'est une première pour nous. L'objectif, c'est de faire découvrir vraiment ces typicités culinaires, puisque le foie gras est au patrimoine culinaire et gastronomique français protégé. D'accord. Et quel est votre premier, quels sont les premiers retours que vous avez reçus, parce que ça fait déjà 2 jours l'ouverture? Absolument. Donc les retours sont très positifs. On a pu rencontrer un certain nombre de personnes autour de la gastronomie, autour du retail qui sont intéressés par ces produits d'excellence français. Donc l'objectif étant de faire connaître la marque, sa notoriété, ses produits d'excellence pour un jour commercialiser très rapidement nos produits sur le marché chinois. D'accord. Le foie gras est apprécié par les Français, par les Européens, mais les Chinois n'ont pas l'habitude de le consommer. Comment s'adapter au goût ou bien à la façon de consommer ou bien de manger, de boire pendant la fête? C'est quoi votre stratégie pour... Alors, en France, c'est vrai qu'on consomme beaucoup le foie gras en apéritif, des foie gras qui sont plutôt mi-cuits ou qui vont être en conserve. C'est d'ailleurs l'activité historique de la maison. En Chine, en fait, la stratégie, c'est d'abord de passer par les chefs, par la gastronomie. Donc là, on va servir des foie gras crus, qu'ils soient entiers ou en escalope, pour faire découvrir le goût du foie gras traditionnel des Landes. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on aura ces ambassadeurs, chefs chinois qui connaîtront nos produits, eh bien après, on pourra peut-être un jour proposer de nouveaux produits à base de foie gras. Mais voilà, notre stratégie, c'est bien évidemment la gastronomie en premier. D'accord. Et comment trouvez-vous l'organisation de la CIE, puisque c'est votre première exposition? Est-ce facile pour préparer toutes les démarches? Alors, il faut savoir que oui, la C2IE est déjà très grand pour nous. C'est un des plus gros salons du monde, je crois, en termes de taille. Donc, une surprise quand on arrive et qu'on voit la taille du salon. C'est relativement facile, on arrive à bien s'y retrouver. On a pu passer par des procédures spécifiques pour amener nos échantillons de produits, faire déguster les foie gras en escalope, les magrets notamment qui sont cuisinés sur le stand. Donc quelque chose quand même de très positif finalement, on est très content de faire découvrir nos produits à la gastronomie et aux chefs qui cuisinent nos produits. Ok, je vous souhaite bonne chance, belles opportunités pour votre première expérience à la CIE. Merci monsieur. Merci beaucoup, merci à vous.